Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Renkineko et nous continuons ce let's play de Nier Automata avec ce 55e épisode et nous le continuons malgré un orage du tonnerre de Brest sur Montpellier. Oui, car en fait, donc voilà, j'enregistre les épisodes, il y a un putain d'orage de ouf. Alors ça va, là il s'est un petit peu calmé, j'espère qu'on ne l'entendra pas trop sur la vidéo. Mais bon, ben, au pire, si on l'entend, voilà, vous saurez que ce sont les aléas du tournage et après tout, hein, voilà. Je fais ce que je veux, si j'ai envie de tourner quand il y a de l'orage, je tourne quand il y a de l'orage, c'est eux. Voilà. Donc, que s'est-il passé dans les épisodes précédents? On a eu Nines qui a vu la mort de A2. Non, pas de A2, de 2B, pardon. Et du coup, Ah, merde. Du coup, je peux pas aller au désert? Si, c'est bon. Et donc, on faisait les quêtes annexes en attendant, histoire d'éviter d'avancer trop vite dans l'histoire et de se retrouver à nouveau à avoir des quêtes bloquées. Donc voilà, c'est parti. Qui? Le livreur? Ouais, il est passé par ici. Il m'a apporté un purificateur d'eau cassée. Je lui ai réparé. On l'a emporté à l'entrepôt il y a un moment déjà. Et vous me dites qu'il n'est toujours pas rentré? L'entrepôt se trouve dans la cité en ruine, à l'abri des ennemis et loin de tout ce vacarme. Si ça se trouve, il est toujours là-bas, votre gars. Venez, je vais vous montrer où c'est. Oh non, m'emmène pas à Perpète. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu m'éloignes ou tu bouges ou pas? Ou tu me l'as juste montré sur la carte? Tu me l'as juste montré sur la carte. Ok, mais je me doutais que l'entrepôt c'était là en fait. C'est là où il y avait toutes les caisses. Donc, on va aller dans le désert faire la mission de secours. Sachant que dans le désert il y a A2, donc normalement on n'est pas censé y aller, en tout cas en TP, je ne sais même pas si je vais avoir le droit d'y aller tout court même à la marche. On verra. Ça va être la surprise. Et donc pour information, sur ces épisodes, je risque de temps en temps de couper le micro pour éviter d'avoir des bruits d'orage ou quoi, donc ne vous inquiétez pas si ça ne parle pas beaucoup. Il faudra juste que je pense à rallumer le micro quand j'aurai quelque chose à dire. Hop là, là, on est tranquille, ça avance tout pépère. Allez, arrête de trébucher. Alors, est-ce qu'il va se manger une faim annexe du style « Oui, vous avez rattrapé A2 alors que vous n'auriez pas dû ?» Alors j'espère qu'on n'entend pas la pluie non plus, parce que comme le micro est ultra sensible et que la pluie tombe sur la rambarde en alu qui constitue mon garde-fou, je me dis... C'est pas impossible que nous ayons quelques petits parasites sur la vidéo. Je dirais que c'est par là. C'est moi où il rame beaucoup plus que... Wow! Mais c'est Mad Max! Tu me diras, je préfère les combattre avec Mad Max qu'avec Over there. Initiating rescue. Ah oui, non, c'est clairement Mad Max, quoi. Caillou. On se calme, les petits. Allez. Ta-ta-ta-tang. Voilà. Olé! Tac! Et bim! Dans ta face! Oh là là, mais comment je gère le piratage maintenant? Alors par contre, ils sont un peu nombreux, je trouve. Aïe! Là, du coup, je gère un peu moins. Je la connaissais pas, cette map de piratage, si? Tu l'avais déjà faite? Elle est pas très compliquée à part le début qui est un peu tendax, mais. Alors, oui, on a l'impression que je spam un peu le piratage, mais en même temps, vu les bestiaux, je vais pas m'amuser. Et merde! Ah! Aïe! Aïe!
C'est bon, j'ai trouvé le safe spot. Je vais pas m'amuser à attaquer ça avec la Inès, hein. Ah. Ok. Mais calmez-vous donc. Voilà. Eh bien. Oula, il me fonce dessus. Alors celui-là, du coup, je ne l'aime pas des masses. Je le trouve un peu compliqué à gérer. Putain. Et putain. Hop, 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 hop. Putain la vache. Oh la vache, lui il va être tendu. Lui il va être tendax. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On se calme, tout va bien, tout va bien. Bam. Ah, dégage. Ah, le fameux. Lui ça va, lui je l'aime bien, je le trouve assez, assez reposant au final. Cette map de piratage là. Parce que au final il faut pas bourriner l'attaque non-stop comme on pourrait avoir l'habitude de faire. Hop, voilà. On en a combien de piratages là? D'accord, ok, c'est bon. Bon bah, je suis désolé, mais tout le monde est mort. Tu m'étonnes. I suppose we'd better return their belongings. Ok. Bon bah, encore une mission bien réussie. Alors j'aimerais juste voir si je peux aller au moins réactiver le téléporteur. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas équipé la bonne, les bonnes puces de fonctionnalité. Et c'est pour ça que je rame. Je sais plus lequel il fallait que je mette, mais je crois que c'était lui. Celui qui a un peu de piratage, quoi. Oh la vache, je l'ai one shot. Ok. On sauvegarde. Donc on est d'accord que par là-bas... Est-ce que je peux y aller seulement? Oui, en fait, de toute manière, elle a tué tout le monde, mais elle n'est pas restée sur place. Parfait, parfait. Ouais, non. Bon, d'accord. Ok. Très bien. Ça me va. Donc, j'ai vu qu'il y avait une quête aussi. Alors, on va aller à l'entrepôt, vite fait. Et j'ai vu qu'il y avait une quête au niveau du château de la forêt. Je soupçonne une quête en rapport avec le roi de la forêt, sans déconner. Transfert. On va déjà aller au centre. Au centre ou à l'usine? Ah non, au désert peut-être. Quand? Non. C'est lequel qui est à côté là? Bon. Peut-être la tour, mais je sais pas, on verra. Non, non, normalement c'était celui du centre, hein, je crois, le plus proche. Ou alors je confonds complètement. Bon, on verra. Ok.
Alors. On est bien d'accord que... Ah mais oui, d'accord. Non, c'est parce que je voyais le spot principal de genre la destination. Ok. On verra plus tard, ça j'ai dit. This must be the resistance storage facility. Ah. Ah, putain, mais le boulet quoi. Ah, il y a Emile qui est à côté. D'accord. Bon, ça va, là c'est relativement facile, c'est juste relou parce qu'il faut aller tout au fond des choses. Mais ça va. En soi, c'est pas compliqué. Comment il a fait pour ce Keblo, ce crétin, quoi, sérieux. Alors oui, je sais, je vais jusqu'au fond. Mais c'est ma signature. Comme c'est aussi indiqué sur... Je regardais s'il n'y avait pas moyen de récupérer l'autre spot lumineux. Comme on a pu le constater au niveau de mon let's play sur Zelda XD2. Où en fait je voulais absolument ranger complètement très bien toutes les pièces d'une des dernières énigmes. Sauf que ben, ça m'a joué des tours puisqu'après il fallait à nouveau tout re-ranger dans un autre sens. Puis à nouveau tout re-ranger dans encore un autre sens, etc, etc. Bonjour. Ouf, merci mille fois. Je m'excuse, mais vous ne voudriez pas m'aider en me déblayant un chemin pour que je puisse sortir d'ici? Bah, je viens de le faire. Je m'abîme les jambes à essayer de me frayer un chemin. Et comme vous pouvez le constater, j'ai besoin de beaucoup de place vu ma taille. Oui, bah, c'est bon. C'est fait. C'est fait. Viens pas me la jouer. Je veux dire, là, vu ta taille, tu peux pas... On peut pas faire plus gros, quoi. Allez. Bouge. Toi. Le. Fion. Allez. C'est bon. On peut considérer que t'es sorti. Merci. Je me suis retrouvé pris au piège en essayant de faire un peu de rangement. Ouais, bah t'es pas très doué, hein. Ma chef a mis une pagaille monstre, vous comprenez, et je me suis retrouvé coincé. Je vous le dis franchement, je ne la supporte... Ah bah c'est pas trop tôt, te voilà, enfin. Oups. Tu disparais je ne sais combien de temps et maintenant je te surprends à glander. Et il me semble t'avoir dit de ranger, non? Oui, mais vous n'arrêtez pas de tout mettre sans dessus-dessous et je me suis retrouvé pris au pied. C'est pourtant pas compliqué. Si un truc t'encombre, tu le fais péter. Mais je n'ai pas d'explosif. Alors t'en bricoles. Non mais franchement, t'as vu tout ce fatras? Il y a moyen de faire au moins 10 bombes avec tout ça. Et comment est-ce que... Ah, blablabla, tu vas la fermer, oui. Il est grand temps que je t'apprenne à fabriquer des explosifs, j'ai l'impression. Mais je travaille dans la logistique, moi. J'ai pas besoin de savoir fabriquer une bombe. Oh, la ferme! Même le petit personnel doit être capable de faire exploser des trucs de nos jours. Je suis désolé pour le dérangement, c'est la faute de cet incapable. Prenez, c'est pas grand-chose, je sais, mais c'est toujours mieux que rien. Merci, Psycho. Allez, on se recroisera sûrement. Oh, bah oui, hein, là, parti comme c'est. Huile machine x 3, gadget x 3, 10 000 gold, 2900 XP, archive récupérée, formule bombe de Psycho. Oh, vous avez récupéré un programme de pod A120 réparation. Ça y est, on a accès aux soins. Ouh, on se calme la caméra. Allez voir un peu. Programme de pod. Bon, détecteur éventuellement, mais voilà. Réparate. Émet un rayon laser temporaire qui soigne les combattants restant à son contact. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bien. Alors, comme je l'annonçais... Vous êtes quoi? Vous êtes méchant? On peut pas vous parler, mais vous attaquez pas, donc je ne vous ferai rien. Je vous invite à aller voir Pascal. Comme je disais, château de la forêt. Château de la forêt, château...
Château de la forêt. Là, ça va pas passer, il n'y a pas le... but. Bon, c'est pas grave, on va aller au prochain. Prochain téléporteur. J'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce fameux château de la forêt. Hop là. Transfert. Bon, forcément, l'usine, c'est plus dispo. Forêt, chambre royale, façade... chambre royale. Ouh, c'est sombre. Ça va. Alors, ouh, c'est lumineux. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Parce que, à ma connaissance, c'est beaucoup plus vers l'arrière. Sauf que bon, là on arrive au cul-de-sac avec le coffre. Donc, Osef. Non, j'ai envie que tu... Ça, voilà, par là. Oh, genre. What? D'accord. Aïe. Non mais j'aimerais savoir d'où tu crois que tu as le droit de me taper comme ça. Voilà. 466 XP, mais c'est abusé comment ça donne taquer d'XP ces machins alors que c'est de la merde. Enfin, on les one-shot en piratage, quoi. Ils ont même pas un piratage hyper difficile, quoi. Oh. Voilà. Ah, la musique se ralentit aussi avec l'effet... Alors je soupçonne en fait moi que ce soit proche du tombeau royal, mais en fait peut-être pas. Ah. Et je peux pas bouger la caméra. On va d'abord regarder ce qu'il y a en haut. Apparemment il n'y a rien. Non, apparemment il n'y a rien. Hop. On descend. On redescend. On redescend. Alors, est-ce que là il y a quelqu'un, quelque chose ou quoi? Il me fait chier ce minerai de cuivre, va falloir que je le... Pourquoi il y a autant de brume? C'était pas aussi brumeux avant. Ok, alors je pense que c'est en dessous encore. Non? Diantre. Ah. Alors. On va faire un truc, tant pis. On va activer la map parce que là je sens que sinon on va pas trop savoir où il faut aller. Plus de fonctionnalités, hop, personnalisé, système, le journal se transforme en... Alors on va le retirer directement et on va mettre la carte à la place, voilà. Hop, donc c'est encore par là. En tout cas je suis au bon niveau, c'est bien ici, mais après... Vous disiez
Moi j'y suis pour rien, hein. Techniquement je suis du côté des gentils. Hein. Ah, c'est encore plus par là-bas. Bizarre. D'accord, je disais que j'étais au bon niveau, mais en fait on ne sait pas. Parce que le. Il monte et descend avec nous. Ce qui est un petit peu con. Donc on va redescendre d'un cran. Là on va tomber sur la, le spot qui arrête pas de. Waouh! Waouh! On se calme! On se calme! Aïe! Oh putain, le bâtard! C'est bon là? On s'est calmé? Non, parce que je peux continuer le laser à l'infini, hein, donc surtout vous me dites! Ah oui, non, mais. C'est la fête du stream, quoi. Aïe! Putain de merde! Bon, je l'aurais pas. Celui-là, j'arrive pas à le, à le maîtriser du tout. Oh putain! Non! Ah! Bon, là ça va un peu mieux déjà. Oui, pardon Krylef, j'étais concentré. Hop là. Donc. Si je cherche le tombeau. En fait, non, je cherche la quête annexe qui est ici, mais je comprends pas en fait, parce que je. Quand je vais vers le tombeau. Enfin, je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà vu le tombeau royal, mais je sais pas pourquoi là, je vois le. Ah, mais non, mais je suis con, ça c'est la suite, genre. C'est pour aller rendre les quêtes. Oui, donc non, c'est bien par là-bas qu'il faut que j'aille, mais il me l'affiche pas sur la minimap en fait. Ah là 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 là. Hop. Bah je sais pas du coup, c'est une quête que j'ai pas encore débloquée. Et ce qui est bizarre, c'est que pour moi elle a l'air d'être au niveau. Quand on regarde la map générale, elle a l'air d'être au niveau de la bibliothèque, mais mais il n'y a pas de. De spot à quête dans la bibliothèque. Ah si, là-haut. Ok, bon. Donc, on sait où c'est. Encore faut-il y aller. Hop. Parce que là, là-haut, je ne peux pas y aller comme ça. Ah ah. Hop là, doucement. Comment je suis censé monter? Parce que là, par là, je ne peux pas. Bon, bah alors, sans doute par ici, mais. Non. Non. Dommage. Il faut parler à un androïde. Le problème, c'est que là, je. Hop. À quel androïde faudrait-il parler? Ah! Parce que là, c'est elle qui me donne la quête. Mais comment je peux faire pour l'atteindre? On n'a pas un pouvoir pour remonter le temps. Putain, presque. Mais je pense que c'est pas le moyen normal qui pour y aller.
problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse y accéder. Si, peut-être, là. Ah, mais si, on peut pouvoir, là. Mais oui, mais qu'est-ce que je suis débile. Calme-toi. Voilà. Ok, alors. Top, 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 top. On se remet en mode pas de... Voilà, on a vu qui était où. Système. Carte. Tu dégages. Par contre, je reveux mon journal. Voilà, je veux savoir ce que je chope. En plus, j'étais déjà venu ici, puisque j'ai déjà ouvert un coffre. Malédiction. Hein ? Qu'est-ce que c'est cette arme ? Arme ? Toutes les armes, je sais pas ce que c'est. Je dirais bien que c'est un point, mais non, bah je me gourre, ok. Ah, c'est une lance. Ah, c'est la lance du roi des animaux. D'accord. Oui, en même temps, c'est logique, hein, quand on voit que son épée s'appelle Fléau et que... Non, ça n'a pas de sens, monarque. Bon, monarque n'a rien à voir avec Fléau et malédiction, mais pourquoi pas. Bonjour, soldat Yura. T'es... Et toi, t'es normal ? T'es pas piraté ? T'es pas hacké ? Vous êtes une unité Yura ? Alors certains d'entre vous ont survécu ? Ouais, moi, c'est Nines, au fait. Ah, mais oui, j'ai entendu parler de vous. Le modèle que certains appellent Nine, c'est ça ? Ouais. Je suis 4S. Enfin, 4S. Je n'arrive pas à croire que vous soyez encore en vie, Nines. Vous êtes un modèle de type 4, non ? Vous avez été déployé il y a déjà un bout de temps, si je me souviens bien. Je ne m'attendais pas à tomber sur un autre modèle d'éclaireur. Pas après ce qui est arrivé à la base. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Je rassemble des renseignements sur l'ennemi. Le groupe Yorha appartient peut-être au passé, mais la résistance est toujours là, elle. Alors, tant que mon corps me le permet, je veux me rendre utile. Si vous avez des informations concernant des ennemis du coin, pouvez-vous m'en faire part ? Je ne peux pas tout faire à moi seul. Bien sûr, je vais vous transmettre tout ce que je sais pour le moment. Éclaireur qui est accepté, ok. Vous avez remis les données ennemies, oui. Et... intéressant. En comparant mes données aux vôtres, j'ai décelé un certain nombre de différences entre les machines les plus récentes. Chaque région semble présenter son propre type de machine, c'est comme si l'environnement les affectait. Ce qui est impossible, bien sûr. J'allais oublier. Je ferais bien de vous dédommager pour le dérangement. Acceptez donc ceci. Alliage en titane, parfait, 3000 gold. Et au fait, ça vous dérange si je vous appelle Nine, moi aussi ? Pas de soucis, même s'il n'y a plus personne pour le faire de nos jours. Ok, c'est fini ? C'est un sujet délicat, ce que je vois. Désolé. Si vous croisez de nouveaux ennemis, j'aimerais pouvoir accéder à vos données les concernant. Ok, d'accord, donc en fait, c'est une quête sur le long terme qui va être du genre quand on aura toutes les données d'unité, donc à 100%, je suppose. Ok, bon, on verra ça à la fin du jeu, je suppose. C'est parti, donc, maintenant qu'on a fait ça, on va aller rendre la quête sur... Oui, la quête sur... Les affres du tri. Je me souvenais pas que c'était aussi lumineux avant. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un effet brumeux plus avancé. Transfert au camp de la... c'est pas les affres du tri, n'importe quoi. C'est le gars avec ses potes qui sont morts. Et il était pas là. Il était où ? Si ? Il était dans le camp de la résistance ? Je sais plus. Oui, j'ai vu le roi Kraïef. Mais ça, il est accessible, entre guillemets, dès la première run, donc... En gros, sur la première run, les quêtes que j'ai échouées, puisque je les ai pas finies à temps, c'était celle de Émile, donc je ne suis toujours pas allé voir le coin où Émile habite, sous le centre commercial. C'est bête, hein, j'avais tout fini, il me manquait juste d'aller sous le centre commercial, mais je savais pas que les quêtes allaient se bloquer. Et je sais pas si j'ai encore là dans la liste du coup les quêtes qui ont été bloquées. Tac tac, souvenir d'Emile, souvenir de 11B que je n'ai pas encore que j'avais pas rendu en fait, j'avais été la récupérer pareil et je l'avais pas rendu. Hop, ça c'est fait. Couple errant, c'est bon, je l'avais échoué mais là je l'ai regéré entre temps. Et c'est tout, voilà, c'est les deux quêtes qui me manquent. Oui, j'ai toujours la clé, oui. T'es en train de sous-entendre que le roi est redevenu vivant ? Ah, il y a deux magasins maintenant ici. Je vais vendre des... Hop, j'ai dit que je faisais d'abord lui.
Inutile de me le dire, il n'y a qu'à voir votre tête pour comprendre, ils ne s'en sont pas sortis, c'est ça? Non, désolé. Je vois. Voilà ce qu'il reste de leurs effets personnels. Merci. Je vais déposer ces fleurs dessus. Des fleurs? Oui, je reproduis un rituel antique. La race humaine avait de nombreux rites funéraires. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose pour nous de nos jours, mais... Eh bien, je veux que leurs âmes reposent en paix. En tout cas, c'est le vœu que je fais en déposant ces fleurs. Merci encore pour votre aide. Je peux vous faire une confidence? Je suis soulagé de ne pas avoir été en mesure de me battre. Je suis soulagé parce que ça m'a permis d'en réchapper. Et ouais, gadget complet x2, météorite x2, soins complets x1, plus PV max 6, parfait, 10 000 gold et 1800 XP. Ah oui, non, pardon, tu parlais de la quête des 1000. Oui, en fait, le problème, c'est qu'il m'avait filé la clé, mais comme j'ai pas fini la quête, voilà, je ne peux pas aller au centre commercial, donc du coup, je suis piné. Qu'est-ce que tu vends, Popola? As-tu besoin de quelque chose? Acheter. J'ai déjà, donc je m'en fous. Tout ça râle d'agonie. Les ennemis vaincus par piratage hurlent d'agonie. Mais à quoi ça sert? Le temps ralenti à l'approche des projectiles. Ah, mais ça va trop me saouler, en fait, ça. L'esquive n'interrompt pas les combos. Détonation, viser les balles ennemies pour les faire exploser. Et les objets sont récupérés automatiquement. Tout ça, c'est très intéressant. Je voudrais vendre. Vendre tout mon bordel en trop. Et après, voilà, genre ça. Tac, tac. Tac, même comme ça. Voilà, 39. Je vais en garder que 60, c'est très bien, 60. Pareil pour ça. Wow, calme-toi. Donc, clac. Voilà. 60, c'est un bon chiffre. J'aime bien quand il n'y en a que 60. Tac, tac. 26, ok. Ok. Hop, 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 parfait. Alors je me demandais du coup, est-ce que les cœurs de machine peuvent servir pour des améliorations d'armes, enfin les noyaux? Parce que sinon, en effet, je peux les vendre, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'ai pas vraiment de soucis d'argent, donc... Et toi, qu'est-ce que tu vends? La même chose. Merci Déola. Ah, dis, tu penses pouvoir nous donner un coup de main? On se retrouve avec une tâche un peu délicate sur les bras. Dévola, s'il te plaît. Tu vois une autre solution, toi? Depuis que cette tour gigantesque a surgi de nulle part, on est à court de fournitures et de volontaires. Si on s'arrête au détail, on ne réparera jamais ces membres de la résistance. C'est vrai, mais... Eh bien voilà, c'est dit. Donc ça ne te dérangerait pas de nous filer un coup de main? Bah, vas-y, oui. Super, on apprécie le geste. Ok, donc on a simplement besoin de vis striées, de petits engrenages et d'huile de machine. Bah, j'ai tout ça, je pense. Ça se trouve sur les machines qui ont l'air d'avoir été entassées les unes sur les autres. Et je pense qu'on peut trouver des petits engrenages sur les petites machines, celles qui ont des jambes rikiki. Il devrait être possible de récupérer de l'huile de machine à proximité des voies abandonnées de l'usine désaffectée, mais ne va pas prendre de risques, surtout, d'accord, bon blabla. Ok, c'est tout ce que les twins demandent. Oui, c'est bien ce que je pensais, que j'avais déjà tout. Oui, tout y est, merci de nous avoir aidés. Et maintenant, il est temps de se mettre au boulot, Débola. Qu'est-ce que vous allez faire de toute cette ferraille? Ce n'est pas évident, il s'agit de répondre aux besoins du quotidien. Au camp, on nous demande souvent de nous occuper de tâches variées, du bricolage, des menus travaux. Du bricolage? Mais vous êtes capable de bien plus que ça. Oh, ça ne nous ennuie pas, on est ravis de pouvoir donner un coup de main. Pour tout avouer, on est déjà contente d'avoir du boulot, quel qu'il soit. Mais trêve de plaisanterie, voilà la récompense. Oh, c'est beaucoup trop. Il ne faut pas faire de manière, ce n'est pas comme si on avait les moyens de dépenser tout ça de toute façon. Vas-y, tu l'as bien mérité. Et puis, tu accepteras peut-être de nous aider de nouveau à l'avenir. Eau pure. Oh, merci les filles de l'eau pure, je vais pouvoir améliorer un pod. Soin efficace x1, défense contact x2, enfin défense contact 2 x1, pardon, champignon x5, défense distance 2, 3000 gold, 2670 XP. Ok, est-ce que vous avez une autre quête à me filer? Parce que pour avoir de l'eau pure, ça me va parfaitement. On est en pleine mission, tout va sans à l'heure ces derniers temps par ici, il faut que je récupère ces pièces le plus vite possible et c'est vrai, tu vas lui demander, oui. Tu veux que je te récupère des pièces? Oh, on n'osait pas te le demander, vas-y. Tu nous tires une énorme épine du pied. On ne peut pas continuer à demander à d'autres de... Ah, mais bien sûr que si, Serette, on accepte l'aide et on se montre reconnaissante. Alors, cette fois, il faudrait que tu nous trouves des roses du désert. C'est tout? C'est une fleur assez rare, à ta place je commencerai mes recherches dans les vieilles ruines du désert. Désolé de te demander ça, mais prends bien soin de toi, certains des ennemis là-bas sont assez redoutables. Je crois que j'en ai déjà, non? Hop.
Non, je l'ai pas. Ok. Oui, blablabla. Ok. Et donc là, quête du coup. Touk touk. Ah, il m'en manque une. Oh, d'accord, il en fallait en fait un certain nombre. Ok. Collecte de souvenirs. Qu'est-ce qu'il faut que. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai fini la quête collecte de souvenirs. D'accord, quand c'est écrit peut être vendu, je peux le vendre, il n'y a pas de problème, donc vas-y. Ok, parfait, merci. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fini techniquement la collecte de souvenirs. Bon, c'est bizarre. Mais on fera ça au prochain épisode, le 56, car là, on est déjà à 35 minutes de vidéo, ce qui est beaucoup trop. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que cet épisode vous a plu. Allez, ciao.